Boaké Développement. L'état d'avancement de l'opération de recensement de la population de l'habitat. Les équipes sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette opération dans la région de Boaké. Économie Ferté. Saisie de plus de 100 millions de francs de marchandises frauduleuses. Santé Boaké. Le CHU initie un séminaire scientifique pour l'amélioration de ses services en faveur des usagers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition lancée ici même à Boaké. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat se déroule bien sûr le terrain. La formation des superviseurs et contrôleurs continus, INTEX, sur le terrain a permis aux futurs agents recenseurs de s'imprégner des réalités. Cependant, la population relève le manque de communication autour de cette importante opération. Le reportage de Ouattara Amadou. Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2014 a débuté le 17 mars et s'étend sur l'ensemble du territoire national. L'opération durera un mois. Après la cérémonie de lancement à Boaké, la formation des superviseurs et des contrôleurs continue. Ce recensement est effectué à l'aide de matériel de pointe. Les smartphones obtenus grâce à l'appui des partenaires au développement. Les futurs agents recenseurs de la région apprennent le maniement de ces appareils. Le niveau des apprenants est apprécié par les formateurs. Les agents ici à Boaké sont d'un très bon niveau. Voilà, et nous avons fait une sortie de terrain pour qu'ils reconnaissent les ZD. C'est un exercice qu'ils ont mené à bien. Ils ont fait la numérotation des ménages. Ils ont passé des interviews dans des ménages qu'ils ne connaissent pas. Et ça leur a permis donc de voir que le recensement, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup à ce pays. Après l'étape de la formation théorique, un test sur le terrain a permis de s'imprégner des réalités. La majorité de la population semble ignorante de cette opération-là. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que les médias s'y mettent, les sketchs, en tout cas tout ce qui peut attirer l'attention de la population, parce que la population est à majorité analphabète. Nous venons au nom de la Côte d'Ivoire pour recenser toute la population. Il ne faudrait pas que quelqu'un reste en marge de cette opération-là, puisque c'est une opération de portée nationale. L'opération de recensement général de la population a pour objet de faire connaître les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population en vue de planifier le développement. Elle coûtera 12 milliards de francs CFA et mobilisera 30 000 agents recenseurs. C'est une bonne chose pour la population. Tout le monde n'a qu'à se faire recenser. Il faut réserver un bon accueil à tous les agents recenseurs. Il y va du bien-être de chaque Ivoirien et c'est dans notre intérêt. Les trois dernières opérations de recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire se sont déroulées en 1975, en 1988 et en 1998. Après l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, intéressons-nous maintenant aux audiences foraines à Boaké. L'opération vise à enregistrer les naissances non déclarées à l'état civil. Ces audiences foraines se tiendront du 25 mars au 25 avril 2014. Le reportage de Kader Sogodogo. Bon nombre de nos concitoyens ne sont pas déclarés à l'état civil. Dans le département de Boaké, malgré les audiences foraines de 2009, des personnes restent sans extrait de naissance. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, a décidé de soutenir les autorités préfectorales pour remédier à ce problème. Des audiences foraines viennent à propos pour permettre à chaque habitant de disposer d'un extrait d'acte de naissance. Malheureusement, les enfants s'inscrivent, ils arrivent au CM2, les papiers ne sont pas encore faits. Donc nous avons décidé de régler tous ces problèmes en organisant des audiences foraines. Les magistrats, les sous-préfets, les médecins vont parcourir nos campagnes afin de permettre de plus près aux enfants de bénéficier des documents nécessaires pour leur vie. Les responsables judiciaires ont pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de l'opération. De façon concrète, il y aura un magistrat du siège, un membre du parquet et puis un greffier. Et dans les différentes localités, les requérants vont venir avec des témoins. Et cette audience concerne uniquement toutes les personnes qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Normalement, le délai de déclaration, c'est 3 mois. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas été déclarées dans ce délai peuvent venir
à ces audiences-là pour avoir des jugements supplétifs date de naissance. Quatre équipes vont sillonner pendant un mois les sous-préfectures de Boaké, Brobo, Djebonoua ainsi que la commune de Boaké. Dans le domaine de l'économie maintenant, importante quantité de marchandises saisies à Ferkessédougou Park. La douane, ces marchandises représentent 100 millions de recettes douanières, une mauvaise pratique qui tue l'économie ivoirienne. Suivons le reportage de Kader Sogodogo. En l'espace d'une semaine, trois saisies de marchandises frauduleuses opérées par la brigade mobile des douanes de Ferkessédougou. Les colis contenaient des pagnes, des pneus, des herbicides, des médicaments et diverses autres marchandises en provenance de pays voisins. Des saisies dont la valeur douanière s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Une pratique qui tue visiblement l'économie ivoirienne. Si nous avons des écoles à construire, de la lumière, des villages à électrifier, de l'eau potable, l'addition d'eau, le salaire aussi augmenté bien sûr. Donc il faut dire que nous devons nous mettre ensemble et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui jouent à ce jeu qui ne favorise pas l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui sachent que désormais ils auront des douaniers derrière eux pour les traquer. La lutte contre la fraude douanière est donc lancée. Il appartient à chaque habitant de ce pays de jouer sa partition en collaborant avec les services douaniers. Un comportement civique qui contribuera à garantir la bonne santé de l'économie ivoirienne. Un gang de coupeurs de route mis aux arrêts par la gendarmerie de Bouaké, ces malfrats, s'apprêtaient à commettre leur dernier forfait. Des armes et des munitions ont été saisies, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Dans la région de Gbeke, la bataille pour amener la sécurité et la sérénité au sein des populations est engagée. Les braqueurs et autres coupeurs de route sont poursuivis jusque dans leur dernier retranchement par les forces de l'ordre. L'axe Bouaké-Yamoussoukro, la nationale A3, voie de prédilection des coupeurs de route qui volent, violent et tuent très souvent les voyageurs. Cette situation amène la gendarmerie nationale à être en alerte permanente. Ainsi, au cours d'une patrouille habituelle, nos gendarmes, le flair aidant, vont interpeller deux individus. La fouille permet de découvrir des armes de guerre. Conduits à la gendarmerie de Bouaké, ces individus se mettent à table. Après les aveux, comme dans une scène de théâtre, ils espèrent la clémence des populations victimes de leur terreur. Mon frère Soulé m'a dit qu'il y a un petit qui a Yobonoa qui est venu dire qu'il y a son vieux qui vient avec l'argent, 8 millions. Donc on n'a qu'à partir voler. C'est de là qu'on a eu le problème. C'est de là maintenant on a dit à les messieurs de nous aller nous déposer. Donc en partant, c'est là où nous a pris au corridor avec les armes là. Je vais demander pardon à tous mes frères qui restent, qui n'ont jamais fait ça. Au mieux, ils font ça, on n'a qu'à voir ça louper. Parce que c'est un truc où ta vie a arrivé là. Ça peut couper, tu peux laisser ta famille, tu es dans le problème. C'est la période de la Pâque, un moment qui correspond à de nombreux déplacements dans le Vébaoulé. L'accent doit être mis sur la sécurisation des populations pour permettre à celles-ci de passer des moments agréables. Le plan stratégique de développement du CHU de Bouaké adopté, c'est au terme d'un séminaire scientifique tenu ici même à Bouaké qui vise à améliorer des soins en faveur des usagers du centre hospitalier universitaire. Le centre hospitalier universitaire de Bouaké est confronté à d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Difficultés qui ont pour nom le sous-équipement, l'inadaptation des installations et la lourdeur des procédures de gestion administrative et financière. Ces dysfonctionnements réduisent le taux d'une meilleure accessibilité des populations à des soins de qualité. Face à ces difficultés, la direction du CHU de Bouaké a donc décidé de créer un cadre de réflexion. Les présents travaux permettront de faire l'état des lieux, proposer des solutions et mettre en place des outils managériaux de planification, de réglementation et des gestions afin d'améliorer le fonctionnement du CHU. Le CHU a du mal à décoller. Et maintenant que l'État a décidé de réhabiliter et de rééquiper le CHU, il est temps que les ressources humaines soient motivées. Et c'est dans ce sens-là que nous espérons faire une sensibilisation, mettre en place des textes réglementaires sur lesquels nous allons nous baser et définir la politique générale du CHU. Et durant 3 jours, ce séminaire scientifique permettra à la centaine de praticiens
et aux personnes extérieures participant à ce séminaire de renforcer le cadre institutionnel du CHU de Bouaké. Il a également été question de renforcer la capacité d'accueil et le plateau technique, d'augmenter les recettes propres à l'établissement à hauteur de 50% annuellement et d'accroître la motivation du personnel en instaurant la culture d'entreprise. Les autorités préfectorales ont encouragé cette initiative qui va redorer le blason du CHU terni auprès des populations. Par la tenue de ce séminaire, le CHU de Bouaké répond au souci du président de la République de rapprocher les hôpitaux des populations en leur proposant des soins de qualité. Les sages-femmes de la région de Bouaké renforcent leurs capacités en droit humain. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo, reportage. Leurs comportements et leurs agissements sont décriés. Elles ont une fonction pourtant si noble. Elles sont là où commence la vie. Elles, ce sont les sages-femmes. Accusées à tort ou à raison, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de se remettre en cause et d'acquérir des notions qui vont leur permettre de soigner leur image. Les gens s'accordent à dire aujourd'hui que les violences faites en milieu hospitalier ont la même gravité que les violences qui sont faites dans les foyers. Et donc si la sage-femme, après cette formation, sait qu'elle ne doit plus mal parler aux femmes, qu'elle ne doit plus mal recevoir les femmes et qu'elle devient une autre sage-femme, c'est que vous aurez la personne que nous aurons bâtie de façon correcte. Durant les 5 jours de formation sur les droits humains, les participantes à cette session de la région de Bouaké se disent déterminées à tout mettre en œuvre pour créer un cadre harmonieux au sein de la trilogie sage-femme, mère et enfant. Cette formation est la bienvenue parce que nous avions vraiment besoin de cette formation pour un changement de comportement au niveau des sages-femmes. Cette promotion de la sage-femme nouvelle que nous venons actuellement apprendre, acquérir à travers cette formation qui nous envoie à renforcer les compétences de la sage-femme. Pour que la sage-femme se frotte véritablement à sa population, pour que la population arrive à dire « ma sage-femme » et non « la sage-femme ». Cette formation est à mettre à l'actif de l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire qui entend militer davantage pour redorer le blason de leur corporation. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a inauguré aujourd'hui même l'American Corner à l'Université Alassane Ouattara. L'American Corner est un centre de documentation composé de bibliothèques et de salles multimédia. Il est l'œuvre des États-Unis d'Amérique afin de donner des opportunités aux étudiants de Bouaké de s'ouvrir sur le monde. Pour l'ambassadeur des États-Unis, ce centre va consolider les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à travers leur jeunesse. Le préfet de la région de Bouaké a procédé à l'installation de la coordination des mutuelles des enseignants du privé. Objectif, améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du privé à travers l'harmonisation des salaires et la mise en place d'une couverture médicale. Le reportage de Brahima Doumbia. L'enseignement privé représente un taux important dans le système éducatif ivoirien. Cependant, les acteurs de ce secteur connaissent de nombreuses difficultés. Entre autres, salaires insuffisants, pénibles conditions de travail, aucune couverture socio-sanitaire. Au vu de ces difficultés, les acteurs de l'enseignement privé ont trouvé nécessaire de créer leur mutuelle pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Une coordination de cette mutuelle a été officiellement installée à Bouaké. Le nouveau président dégage ses priorités. Besoin de formation. Le renforcement des capacités et le volet social. La mutuelle a des prestations familiales, tout ce qui est comme l'image de la CNPS. Le président du conseil d'administration de la mutuelle des enseignants du privé et le préfet de région de Bouaké, parrain de la cérémonie, ont invité les acteurs du secteur à s'approprier la mutuelle. Les enseignants rencontrent beaucoup de difficultés. Ils ont donc jugé bon de se mettre en mutuelle pour s'entraider, pour faire face ensemble aux difficultés. Et nous avons apprécié cela. On est satisfait parce que l'objectif pour nous permet à nos enseignants de travailler désormais dans la légalité et de pouvoir mettre en place ce cadre de solidarité indispensable pour le bon fonctionnement des écoles privées. La mutuelle des enseignants du privé de Côte d'Ivoire existe depuis 2009. Elle est composée d'enseignants,
de fondateurs d'établissements et auxiliaires du privé. Cette mutuelle compte plus de 40 000 membres. Le reportage d'Hassan Kane est commenté par Ouattara Abadou. À Bouandougou, les populations ont fait des prières et des bénédictions au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, afin de recouvrer la santé pour conduire l'œuvre de construction nationale. Brahima Dombia. Les populations de Bouandougou dans la région du Béré ont prié pour la santé du chef de l'État, Alassane Ouattara. Venus des différentes localités de cette région, les filles et fils du Béré ont ensemble adressé des saintes prières au Tout-Puissant Allah à travers lectures coraniques, séances de bénédiction et de prières. Les autorités religieuses ont aussi témoigné leur soutien au président de la République. Les autorités administratives, les élus et les populations ont salué cette initiative. Ils ont tous prié afin que le chef de l'État continue ses projets de développement de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants souhaitent voir Alassane Ouattara reprendre les visites d'État des régions. Pour eux, les régions doivent également bénéficier des retombées de cette visite. Que partout en Côte d'Ivoire, si des gens se lèvent pour prier pour cet homme de travail, cet homme de construction, cet homme Alassane Ouattara qui est aujourd'hui la boussole de la Côte d'Ivoire, si une communauté m'invite en Côte d'Ivoire pour participer à un événement de cette nature-là, je suis prêt. Nous, étant Koro, on est alliés. S'il est malade, c'est comme si nous sommes malades. D'où Bouandougou l'a aimé avant qu'il soit président de la République. Alors il l'est, alors nous ne pouvons que lui souhaiter, longue vie et longue mission. C'est ce que l'imam vient de dire en ce sens. Pour cette rencontre religieuse, la mosquée de cette localité a refusé du monde, vu l'importance de cette cérémonie de prière. C'est par la grande prière du vendredi que cette journée de prière pour la santé du chef de l'État a pris fin à Bouandougou. Prière officiée par le grand imam de Bouandougou, Kamagaté Bema, dit Bobodé, âgé de plus de 100 ans. Ah, d'accord. Animation particulière à Bouaké Sokoura, c'était à l'occasion du lancement officiel du tournoi de la fraternité. Doté du trophée Malik Fadiga, les initiateurs invitent la population de Bouaké à la paix et à la cohésion sociale. Reportage Ouattara Abadou. C'est le stade Yaoundé du quartier Sokoura qui a abrité le lancement du tournoi de la fraternité doté du trophée Malik Fatiga. En match d'ouverture, l'AS Dougouba était opposé à l'AS Fermalu. Dès l'entame, les deux équipes ont montré leur envie d'empocher le gain de la rencontre. Les attaques de part et d'autre se sont montrées menaçantes, mais elles n'ont pas concrétisé les actions de but. Il a fallu attendre à la 41e minute pour voir l'ouverture du score par Ndiaye Henri Fulbert, le numéro 12 de l'AS Fermalu. Le score en restera là jusqu'à la pause. À la reprise, les choses deviennent plus compliquées pour l'AS Dougouba. Cette formation sportive va encaisser deux autres buts à la 70e minute et en fin de partie. Score final 3-0 pour l'AS Fermalu. Pour les initiateurs de ce tournoi, qui va s'étendre sur un mois, l'esprit c'est d'aller vers les populations afin de les mobiliser à la cohésion sociale et les inciter à la culture de la fraternité. C'est au travers du sport qu'on peut motiver les jeunes à s'unir et leur apprendre l'effort. Croquer de nombreux peuples d'une même cité. C'est cette fraternité qu'il faut retrouver, c'est cette fraternité qu'il faut cultiver. 24 équipes vont se disputer ce tournoi de la fraternité sur 6 stades des différents quartiers de la commune de Bouaké. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.